Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Cap sur les portes du désert des Bardenas en Navarre, avec un focus sur le festival de théâtre El Gallinero. Pour notre rubrique Vue, l'italienne Emanuela Meloni promène son objectif entre Sèvres-Niortaise et Océan Atlantique. À Pont-d'Envaux, les Lapidiales confient une carrière de pierre blanche à des sculpteurs venus du bout du monde. Rencontre à Faux-la-Montagne avec le monde étrange de l'artiste multimédia Pierre Redon. Dans la rubrique Lue, la plume puissante de Marie-Hélène Lafont avec l'annonce. La Corrèze en tête de toutes les avant-gardes avec Histoire de Passage, un festival aussi local que global. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. À Cabanillas, un petit village de Navarre situé aux portes du désert des Bardenas, se tient tous les deux ans un festival de théâtre alternatif, El Gallinero. Porté par Juan et Noémie, il mêle théâtre, musique et art plastique dans un joyeux désordre aux allures de procession. El festival de teatro El Gallinero lo creamos mi compañera Noémie y yo porque teníamos una pequeña compañía de teatro y nos costaba mucho tener acceso a grandes festivales, a grandes salas. Vimos que solo había grandes producciones con gente famosa. Y al igual que creamos nuestra propia compañía para, digamos, hacer el teatro que a nosotros nos gustaba, decidimos crear nuestro propio festival para dar acceso al teatro que nosotros creíamos que tenía que tener más salidas. Vimos que faltaba un poco en las zonas rurales teatro alternativo, un teatro más contemporáneo. Y digamos que pensamos en hacerlo aquí porque aparte de que Cabanillas tiene una gran tradición agrícola, y comparábamos un poco el trabajo del campesino con el trabajo de las compañías autogestionadas que éramos nosotros. Vers 17h, lorsque la chaleur tombe, toutes les générations de Cabanillas se retrouvent pour un premier spectacle, une libre interprétation du Romancero Gitano de Federico García Lorca. El nombre viene de primero porque estamos en un pueblo y el gallinero es donde están las gallinas en el corral. Y también antiguamente en España, el gallinero era la zona del teatro donde la gente que no tenía mucho dinero podía ver las obras. Era la zona barata, se le llamaba el gallinero. Nada es como tan ortodoxo, sino que hemos hecho como una mezcla a partir de las posibilidades de cada uno de los intérpretes y de sus dones. Ellos sí que improvisan con el público, hay rompimientos. Yo trabajo siempre con coreografía física dentro de la dramática. Yo no soy coreógrafa. À peine le spectacle achevé, commence une étonnante procession villageoise pour inaugurer Memoria alla Fresca, un projet Landarte pour développer les formes contemporaines dans les campagnes navarraises. Entonces nosotras lo que hicimos fue proponer recuperar parte de la memoria de Cabanillas relacionada un poco con la tradición de tomar la fresca que se toma en las noches de verano cuando empieza a refrescar. Y en función un poco de eso se desarrolló todo. Consistía en buscar información, tanto en archivos municipales como en la tradición oral de personas que ya la conocían, y luego con la información recogida elaborar creaciones artísticas que crearan una nueva memoria de Cabanillas, uniendo tanto la anterior como la que aún permanece. Mi pueblo. Qué bonito es y cuántas memorias tengo. Esos veranos calurosos, tomando la fresca en las calles, sin parar de hablar. Esos inviernos fríos, con las mantas hasta los tobillos, sin parar de tiritar. Esta tarde a las 8:30 se va a hacer un recorrido por el pueblo
porque al final la memoria no son solo datos, son también lugares y personas, y entonces se van a recitar los poemas que se crearon en los talleres, se va a ver el resultado de algunos de los collages creados que se han pegado en las paredes a escalados a tamaño mayor. Contaremos también con la presencia de los auroros, de Siré recitando y de Marta Santos cantando una jota. Pues ha sido una sorpresa grande por el trabajo que conlleva el realizarlo todo, y es un orgullo el sacar la historia de antes, que siempre, que ya los jóvenes no la conocen. Y entonces ahí un pueblo que tiene mucha cultura, que tiene muchas vivencias y demás, pues necesita recordar y que lo sepan todos los jóvenes. Nos gusta esta idea de cómo en España y sobre todo en esta zona están como apoyando a la gente a estos tipos de festivales, ¿no? De teatro o de escénicas o de música, y que sea al aire libre y con el contexto del pueblo que se involucra es súper gratificante. En Espagne, les soirées sont longues et celle-ci se poursuit en musique avec la Niña Hilo, un groupe navarrais de rock indé. La reacción de la gente de aquí al principio, antes de que nosotros lo mostráramos, se llevaban casi las manos a la cabeza. En plan, pero ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y una vez ya que lo vieron, yo creo que sorprendió para bien. Ellos entendieron ese tipo de lenguaje. Igual ellos no tienen, no todo el mundo tiene la oportunidad de irse a un Madrid o a un Barcelona a ver una obra de teatro más alternativa o menos comercial. Entonces, si Mahoma no va a la montaña, pues tendrá que ser al revés. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Un paysage, c'est comme une personne. C'est une rencontre dans laquelle on se projette. Tels sont les mots qui pourraient résumer la démarche de la photographe italienne Emanuela Meloni. À l'occasion d'une résidence d'artiste de 2 mois, la jeune femme est invitée à rencontrer les paysages entre Niort et La Rochelle. Entre ces deux villes, une campagne dans laquelle serpente la Sèvre niortaise et où s'épanouit le marais poitevin. L'ancienne étudiante en philosophie, passée par la prestigieuse école de photographie d'Arles, arpente, sillonne, marche beaucoup. Du bruit au silence, de l'azur au vert et vice-versa, dit-elle, en revendiquant le temps lent, le temps long. La photographie est un véritable travail en solitaire, fille d'un temps à perdre où la curiosité impatiente n'est pas toujours amie du regard. Résultat ? Une série de photographies en argentique, prises au 6-6 et un carnet de voyage qui témoigne d'un temps contemplatif et d'un intérêt pour la transformation du paysage naturel, pour la relation de l'homme à son environnement. Je crois photographier des paysages, et pourtant, je vois l'homme partout. Les bords de mer, les digues, les champs cultivés, les canaux, les arbres sur les rivages, tous ces paysages sont le miroir d'une présence humaine envahissante, de mains qui ont touché, plié et modelé la terre à leurs besoins. Du vert au voile, de l'apaisement des marais au fracas de l'océan, les photographies subtiles d'Emmanuel Meloni nous rappellent avec beaucoup de délicatesse notre fragile place dans le monde. Depuis Pont-d'Envaux en Charente-Maritime, connexion immédiate avec les Lapidiales et ces artistes venus du bout du monde. Et vous êtes au Lapidial, qui est sur la carrière des Chabossières à Pont-d'Envaux. Ancienne carrière, à l'abandon, qui a servi de décharge pendant longtemps, et qu'on a repris en 2001 pour faire les Lapidiales. Sachant que la carrière était petite pour le projet Lapidial, on a très vite été construit le projet La Galaxie des Pierres Levées, qui est la suite, hein, c'est la même chose. Un champ de mégalithes sculpté dédié aux cultures du monde et qui initie des itinéraires imaginaires sur tout le territoire. Et comme on pourra toujours mettre une pierre après une pierre, si ça doit continuer, ça continuera. Voilà. Plus le volet échange des cultures. Tous les ans, on prend une culture différente et puis on essaye de la faire connaître et d'en apprendre beaucoup. J'ai compté hier 23 nationalités pour
38 sculpteurs qui ne sont pas français, les autres étant français sur 80. Et donc, cette année, on est Afrique de l'Ouest. L'an dernier, on était Asie du Sud-Est. Il y a 2 ans, on était Amérindien d'Amérique latine. Voilà. Et puis, on a été Arabo-Andalou, on a été Italien du Nord, on a été Amérindien d'Amérique du Nord. Voilà. Bon, bref. Et c'est passionnant. Difficile de définir l'univers de Pierre Redon. Artiste multimédia, transdisciplinaire, il mêle sans tabou la marche, l'hypnose, l'ethnographie, la photographie, le soin, la vidéo. Artiste du bizarre? Peut-être, mais artiste libre qui aime explorer ses propres limites depuis les confins du plateau de Mille Vaches. Donc j'ai grandi ici, dans la forêt, au milieu des arbres, avec les arbres, au milieu des lacs, des étangs et des tourbières. Moi, je travaille toujours avec la matière qui est là autour, en la pétrissant. Donc ça peut être les gens, le territoire, les sons, beaucoup de la question de l'empathie, l'écologie, l'anthropologie, la musique, toujours le son. Toutes les œuvres sont plutôt présentées comme sous des formes de cérémonie, plus que de s'inscrire dans l'histoire de la performance ou du spectacle. Je m'intéresse à tout ce qui est l'esthétique des marges, les frontières entre la perception sensible des gens, leur propre cosmogonie, ce qui constitue leur façon de vivre dans le monde. Voilà, j'ai fait des interviews avec des chamans en Amazonie, des chamans des sorciers ou des magiciens en Afrique. J'ai fait des interviews avec des zoophiles en Allemagne. J'ai rencontré des gens et je m'intéresse à la pluralité des mondes. C'est un projet qu'on déplace beaucoup à l'international. Donc, l'objectif est d'organiser une tournée dans les 7 continents pour tisser un tapis de la mémoire de l'humanité à travers le cheveu. Donc, c'est un projet qui s'ancre dans la philosophie d'un tapis nomade turc pré-islamique dans lequel il y a une symbolique du corps où la chaîne symbolise la lymphe, la trame, le sang, les nœuds, la chair et tout le tapis forme un corps. Et autour de cette philosophie, j'ai composé une pièce pour 6 musiciens. Et aussi, j'ai fait réaliser 7 capes de berger qui représentent les 7 continents. Et à la fin de la cérémonie sonore, les gens viennent donner une mèche de cheveux et un dessin sur la thématique de la naissance pour tisser ce tapis de la mémoire de l'humanité. Et on peut voir que les mondes qui traversent les gens ne sont pas forcément ceux qui sont donnés à voir par la parole ordinaire. Ou en plongeant dans l'inconscient, on voit qu'il y a des mémoires qui viennent de très très loin ou d'ailleurs. Ça m'a intéressé, ça m'a encore plus ouvert le champ des possibles dans un rapport à la connaissance envers les gens. Annette regardait la nuit. Elle comprenait que, avant de venir vivre à Fridière, elle ne l'avait pas connue. La nuit de Fridière ne tombait pas. Elle montait à l'assaut. Elle prenait les maisons, les bêtes et les gens. Elle suintait de partout à la fois, s'insinuait, noyait d'encre les contours des choses, des corps,
avalait les arbres, les pierres, effaçait les chemins, gommait, broyait. Les phares des voitures et le réverbère de la commune la trouaient à peine, l'effleuraient seulement, en vain. Elle était grasse de présences aveugles qui se signalaient par force craquements, crissements, feulements. La nuit avait des mains et un souffle. Elle faisait battre le volet disjoint et la porte mal fermée. Elle avait un regard sans fond qui vous prenait dans son étau par les fenêtres et ne vous lâchait pas, vous, les humains réfugiés, blottis dans les pièces éclairées des maisons dérisoires. J'ai choisi l'annonce de Marie-Hélène Lafont simplement parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup de par le travail qu'elle fait sur l'écriture, ça paraît assez banal, mais elle permet au lecteur de s'enrichir par la façon qu'elle a de construire ses phrases et en même temps de nous délasser parce qu'elle nous fait pénétrer dans son univers. Elle vient d'un milieu rural, elle est issue du Cantal, et je trouve qu'elle parle merveilleusement de la nature, des hommes qui y vivent, des femmes qui y vivent, qui y travaillent, et j'apprécie vraiment beaucoup ce type de littérature. Parler de la nature, ça demande un vocabulaire riche finalement, qui va avec la description d'un environnement qui traverse les saisons et qui nous permet aussi de lire le rythme de l'homme au milieu de cette nature. Et je trouve que Marie-Hélène Lafont le fait avec subtilité. On traverse les lieux, les saisons, les épisodes de vie avec beaucoup de bonheur parce qu'elle a cette écriture qui me convient parfaitement. Le temps de quelques jours au cœur de la Corrèze, Histoire de Passage mêle ressources locales et grands noms, à l'instar du dessinateur Cabu qui en a signé la première affiche en 2014, ou encore Pétillon. Ce festival, qui ne fait décidément rien comme les autres, invite à beaucoup marcher, beaucoup réfléchir et beaucoup partager. Histoire de Passage, c'est une histoire d'ouverture d'esprit. C'est un endroit où on fait sauter les barrières. On va d'un événement à un autre à travers 50 stations différentes. L'idée, c'est qu'on déambule sur un territoire, on rencontre des personnes de ce territoire, on les valorise, on les fait parler d'eux. Et en même temps, on fait venir des personnes de l'extérieur, des agronomes, des artistes, des professeurs d'université, des musiciens, des comédiens. Vraiment, c'est très, très large. C'est vraiment cette idée de rencontre entre un territoire et des intervenants extérieurs qui se répondent. Avant d'être un film, Le blé en herbe est un livre, est un roman de Colette, mais c'est quand même un roman à clé. Un épisode bien connu et raconté par Jouvenel lui-même. Ça ne se passe pas en Corrèze, ça se passe en Bretagne, à Rosven, lorsqu'il a 16-17 ans et qu'il devient l'amant de Colette, donc il est l'amant de la femme de son père. Voilà. Ce que l'on sait moins, c'est à quel point Colette a pu initier en quelque sorte le jeune Bertrand de Jouvenel à tout son amour de la nature, fait partie, à mon sens, des éléments qui expliquent pourquoi Bertrand de Jouvenel est devenu, à partir des années 1950, une des figures marquantes de la pensée écologique. Monique, je te laisse la parole sur l'eau dans les jardins. Je vais me réfugier derrière Michel Foucault. C'est un texte qui permet de dépasser les vieux enjeux, débats entre nature et culture. C'est sous le mot, un peu bizarre peut-être qui va vous apparaître, d'hétérotopie. Alors topos, c'est le lieu, hétéro, c'est la diversité, le divers, donc hétérotopie. L'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes normalement incompatibles. Il ne faut pas oublier que le jardin, étonnante création maintenant millénaire, avait en Orient des significations très profondes et comme superposées. Le jardin traditionnel des Persans était un espace sacré, le nombril du monde en son milieu. C'est là qu'était la vasque et le jet d'eau.
asperna, metafro cala, arabas perna, metafro cala, you've got the fasul, you thesis, methatsu kara, you've got the fasul, you thesis, methatsu kara. Je trouve que ce qu'on crée là, le réveil des villages, c'est de l'utopie concrète, au sens où les gens sont vraiment en contact, en lien. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de pensées. Il y a une pensée en action qui, moi, m'excite beaucoup. Et je suis content de venir là pendant une semaine, en tout cas, à leur côté. Donc aujourd'hui, on fait voler des cerfs-volants pour rendre hommage à Maryse Bastier, qui était une aviatrice connue. Voilà. Je trouve sympa ce mélange entre l'appui sur les ressources locales et puis l'apport de personnes qui viennent d'ailleurs. Donc c'est des générosités qui sont conjuguées entre des gens d'ici et des gens d'ailleurs. Et vous le savez peut-être, un de mes surnoms est Mister Local Global, et je crois que cette dimension-là est fondamentale aujourd'hui. Le paradigme local global dans la langue de Gervereau, c'est juste génial, c'est-à-dire c'est de vivifier, de mettre en lien les gens d'ici, leurs talents, avec des gens de l'extérieur qui viennent. Et on crée comme ça une formidable travail de médiation et qui est absolument excitant. C'est la 5e année et je souhaite longue vie à ces rencontres. Vraiment, c'est bouleversant ici ce qui se passe. Voilà. Nous, on pense que les villages vont se réveiller, que ça va pas mourir, quoi, au contraire. Donc le festival Histoire de Passage contribue modestement, évidemment, à ce réveil des villages. En tout cas, nous, on y croit. Et pour nous, ça permet de montrer aussi qu'il ne doit pas y avoir et il n'y a pas de séparation entre nature et culture. Biodiversité et culturodiversité, pour nous, c'est deux choses qui fonctionnent en même temps. L'environnement, il est global. On se retrouve ici pour dîner, tous ensemble, et il y a un moment très particulier, assez émouvant, c'est que le peintre Hérault, eh bien, c'est son anniversaire. Et donc on s'apprête à lui faire des surprises. Et en échange, c'est ça le potlatch, eh bien, Hérault fait des cadeaux à toutes les personnes qui sont présentes. Hérault a décidé, pour partager cet événement, d'offrir un petit bout d'une grande toile à chacun des personnes qui sont des festivaliers. Donc chacun va repartir avec un petit morceau et tous ensemble, c'est comme si on avait l'œuvre en commun. Ça suffit de considérer qu'il ne se passe rien, que c'est le désert, qu'on est dans la diagonale de je ne sais quoi. C'est insupportable d'entendre des choses comme ça. C'est totalement stupide. Il se passe beaucoup de choses, mais ces choses sont ignorées. Ces choses se font de façon horizontale et sont connectées entre elles. Et c'est ce qu'on essaye de montrer dans cette manifestation. Champs Libres saison 3, c'est fini. En attendant la suite,
Retrouvez nos 18 épisodes et quelques-uns de nos coups de cœur sur tv7.com. L'énergie débordante de Lost in Traditions, la camionnette d'art contemporain de Cloran Coranotto, l'art du conte renouvelé avec Traverse, l'univers troublant de Yéphane de Villiers, la voix envoûtante de Dawa Salfati, le théâtre très nature du Théâtre du Roi de Cœur, Chant Libre, Loin des Villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.